après tout ce temps. Le passé nous rattrape, les créatures d'antan de nouveau s'échappent. Les tribus doivent s'unir pour défaire le malin, retrouver le sourire, au moins jusqu'à demain. Combattons pour Genesia, il faut la protéger, il faut la protéger. Oh, nous combattons pour Genesia, il faut la protéger. Mais si cela vous rassure, très bien, j'ajouterai ceci au pacte. Si vous êtes d'accord, levez les mains. Si... Pire que j'ai dit. Moi, te revoir dans pas très longtemps, hein. Ça va pas durer longtemps. Oui. Allez hop, moi dans sortir 7 jours, de là. Genésien. Une petite année ici. Ah, ça fait un an, c'est vrai. Oh, bon, moi, prendre ouais. Quelques heures, hein. Allez, hein, t'as préparé la petite fiole de magie, hein. Oh, oui, t'es oui, pas cher. Oui, je vais préparer ton âme, surtout. Bah, c'est un gadada. Mais il est tout infecté. Moi, oui. Oui. Oh, mais il doit tellement triste sans sa chaîne. Eh oui, c'est comme ça. Moi, oh. Bah, oui, tu dois être triste, hein. Non, ça va être Hippocampe de sa chaîne. C'est Ungadada. Ah oui, c'est Ungadada. Ungadada vouloir que Gobu s'occupe d'elle, je pense. Hein? Pourquoi? Mais quoi t'en faire, Ungadada? Toi, avoir tâche bizarre sur toi. Toi, avoir tâche bizarre sur toi. Moi. Mais, toi, avoir pris graine. Un peu en pleine. Transformation, je dirais. Ah, mais il l'a déjà pris. Ça va, tu tiens le coup? Ouais, 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 il m'a demandé de le faire, je l'ai fait hier soir. Ah ouais. En fait, selon Sachem, ça fait quelques jours que Ungadada, il lui demandait, a priori, une graine. Il savait pas trop pourquoi, Sachem, au début, et puis bon, bah. C'était dans ses dernières volontés, du coup. Je l'ai exaucé, hein. Ce qui m'embête surtout, c'est que. Aïe, aïe! Mais tu t'arrêtes. Ouais, ça va aller, mon petit Ungadada. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu es énervé. Je sais que tu aimerais pouvoir parler et crier ta colère. Mais écoute, pour le moment, il faut que tu prennes ton... Arrête! Ne lui brûle pas la barbe comme ça. Il faut que tu prennes ton mal en patience. C'est comme ça, c'est tout. D'accord? Et t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Regarde. Hop. Ah ouais. Voilà. Donc. Je vais vous lire ce qu'il a écrit mot pour mot. Manafish, si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde. Avant toute chose, sachez que ce fut un honneur de parcourir les terres de Genesia avec vous pendant ces 107 dernières années. Je vous demande ici de rester fidèle à vous-même et à ce qui fait de vous des Manafish. Restez fidèle aux traditions, mais apprenez aussi à évoluer avec le temps. Adaptez-vous, apprenez, défendez vos frères Manafish et surtout, n'oubliez pas qui vous êtes. Retrouvez ici mon testament. Olidame, je te donne ma peinture sacrée, elle m'a permis de mettre la main sur de nombreuses personnes invisibles. Bougo, je te laisse t'occuper de Ungaplouf, il m'a toujours été fidèle. Fais en sorte qu'il revienne à quelqu'un qui prendra soin de lui. Doc, je te laisse ma pipe que tu m'as faite. Je l'ai un peu modifiée, elle fait un peu tourner la tête, mais elle rappelle au Manafish les actions du passé. Mamie, qui n'est pas là, je te donne la recette secrète de mon Shem Kush. Rafunen, mes travaux et recherches sont à toi. Ainsi que les archives d'Orki et Orca. Partage-les avec Bart. Bart, oh. Je te donne mon manuscrit secret. Tu y trouveras sûrement des choses intéressantes. Snowball, je te laisse mon carnet qui parle de petits papouzes. De papouzes.
Snowball qui n'est pas là. Gadgetto. Gadgetto. Je te laisse voir le carnet de Snowball avec lui. Et je te confie le pouvoir du cache-cache. On pensait que pour le premier, Globby. Il voulait dire Xnanos, mais c'est pas vrai. Lui pas se rappeler de le prénom de Xnanos, moi aussi pense. C'est possible qu'il voulait dire Xnanos. Globby, qui n'est pas là, je pense avoir réussi à te faire des luperles, elles doivent se trouver chez moi. Fleury, je te donne ma graine encore fraîche, ainsi qu'une autre que j'ai mise en fiole de conservation, ainsi que Ungadada. Cela fait des lunes qu'il me demande une graine, mais j'ai jamais voulu, il doit me cacher quelque chose. Donc, j'ai exaucé ce qu'il voulait, à savoir donner la graine à Ungadada. C'est pour ça qu'il est avec nous, et que Manafish devrait sortir de... J'allais dire cette union. Petite fille, elle n'est pas là mais je vous le lis quand même. Je te laisse ma collection d'œufs, il m'en reste 3, ainsi que toutes mes pierres précieuses. Pour le bébé Ungadada Bart, devrait avoir mes travaux pour le faire revenir. Et ensuite, il y a un message caché, enfin codé je dirais. Assez étrange ceci dit. Je vous laisserai le soin de le lire, peut-être que je le retranscrirai sur un tableau ou quelque chose pour que vous puissiez le voir vous-même. Et à la fin, il y a écrit PS, j'ai voté pour l'avocat. Et le message est assez étrange. Je vous laisserai le soin de le lire si cela vous intéresse. Je pense d'ailleurs qu'il faut se pencher sur cette question. Snowball. Ouais, chef. Tu es au courant ? Ouais. D'accord. Bon, il faudra qu'on ait l'occasion de discuter. Tout à fait. Mais Snowball, tu vas avoir mal par rapport à main, jambe, pied ? Non. Il a mort pas mal par rapport à Yop Yop déjà. Et pour tout le reste. Désolé, Snowball. Je me sens vide. Je sais pas que ça se passe comme ça, mais Yop Yop, il nous a pas laissé le choix, tu sais. Tout s'enfermer. Je m'en pas réussi à rigoler une seule fois depuis hier. Par contre, pour Grand Sachem, personne n'est trop court. Y'a plus rien là, t'as. Monsieur, tu restes à Manafish, Snowball. Ah, moi. Il te reste tous tes petits tocs aussi. Moi. D'ailleurs, eux m'avoir demandé de te dire que eux avoir envie de te voir. Moi aussi, ils veulent. Qu'est-ce qui t'attend à Manafish de gros Snowball. Rien. Peut-être pas de bonne idée, Gadgetto. Tant pis. Je me sens vide. Je suis pas triste, je suis pas content. Je suis rien du tout. Je suis vide. Je peux comprendre. J'apprécie même pas être dans l'eau. Le fuir, ça ne fait rien. Moi, je suis tout vide. Et puis, qu'est-ce qui t'arrive à ta peau ? Moi, ça c'est. Il y a 2 jours, les tocs, ils étaient pas trop contents parce qu'ils ont perdu leur île, donc du coup, j'ai décidé d'y aller. Un peu, j'ai mis les mains et les pieds où il fallait pas, et du coup, je suis tombé malade. Moi, c'est pas grave, je ne peux pas de moi. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Et qu'on surmonte les épreuves ensemble, d'accord ? Moi, je vais me battre avec vous, c'est bon. Ouais, mais pas que pour détruire les créatures des failles, il faut te battre aussi pour bien continuer à vivre. Pense à Sachem, qu'est-ce qu'il aurait dit si tu baissais les bras comme ça hein? Moi je sais ce qu'il aurait dit, Sachem. Il aurait dit qu'elle soit une douche sans eau. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il aurait parlé de la douche. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, le canasson derrière? Alors, moi c'est Ungadada. C'est Ungadada. Il a. Je lui ai donné la graine de Sachem. Puisque c'était le souhait de Sachem. D'ailleurs, Sachem a émis un souhait aussi pour toi. Dans son test affiche. On pourra regarder ça après la bataille si tu veux. D'accord. Ok. D'accord, je suis d'accord, chef. Oui, avoir petit carnet pour toi aussi après bataille. Snowball, après il faudra qu'on discute et on a plusieurs choses à voir. Hein. Et d'accord. Je compte sur toi pour. Remarquez bien la réaction de Snowball, là, les gars. Non, je baisse pas les bras.
Doucement, Gadada, doucement. Repose-toi, ferme les yeux, on va s'occuper de toi. Voilà. Ah, bon, ah bah lui est prêt, oui. Mana, 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 pêche. Mana, mana, pêche. Les enfants. Tenez bon, vrai, que ce soit pas comme Angelo. N'oubliez pas, oui, s'il est fou, il faudra qu'on le tue. Mana, 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 fish. Oh, moi, quand est-ce qu'on se marie? Moi, il parle. Oh, moi, Oh, lui est trop tout petit. Il est très beau. Oh, il est beaucoup trop petit pour être un mana fish. Oh, c'est trop mignon, mais... Sachem. Oh, c'est un lien. C'est être Sachem, mais tout petit. Qui a un chien? Attendez, attendez, ne reculez, reculez, arrête. Oh, ouais, je m'en fous, moi. Bart, Eh, hein, là-bas, hein. Reculez, oh, laissez-lui de l'air. Salut, petit manafiche, bienvenue dans le monde. Bienvenue. Oh, bonjour. Moi, je m'appelle Concogne Rigognon. Vous êtes qui? Mais le manafiche, comme toi. Ah ouais, c'est un mania face. Moi, pas ça qu'on devrait. Oui. Bah, pourquoi vous voulez une tue? Oui, Coco. Tiens. Non, c'est humour mania face. Coco. Ouais. On va se présenter. Ouais. Vous chacun êtes qui? Son tour, les mania face. Vous lèverez les bras, vous donnez votre nom. Moi, je suis Fleury, grand prêtre d'Abinocle, ton créateur. Oh, c'est un lieu Fleury. Moi, c'était Concogne Rigolo. Bienvenue, Coco. Je sens qu'on va bien rigoler avec toi, tiens. Ah ouais? Bon, qu'est-ce qu'on fait, hein? Oh, salut, t'es qui, toi? On va t'expliquer. D'accord. Maître Znanos. Oh, salut, Znanos. Moi, c'est Coco Nyorigo, yo. Bonjour. T'es qui, toi? Ah, moi, c'est Marbach. Oh, salut, docteur. Marbach. Ah, t'es docteur. C'est quoi, un docteur? Moi, c'est Coco Nyorigo, yo. C'est pour te réparer. Ok. Attends, t'es qui, toi? Moi, être Gadgetto. Grand manafiche chasseur. Oh, ok. Moi, je suis Coco Yorigono. Bienvenue, Coco. Salut, toi, t'es qui? M'appelle Gobo. Oh, salut, Gobo. Tu sais qui je suis? Gadgetto, je crois. Bah non, je suis Coco Yorigono. Oh, non, non. Hey, il est pas fait de feu, celui-là, hein. Oh, salut toi, t'es qui? Moi, être l'Omedae. Oh, salut, Omedae. Oh, non, non, t'as l'air d'être super fort, toi. Oh, salut toi, t'es qui, toi? Moi, je suis Snowball, je suis le constructeur. Oh, t'es un constructeur? C'est trop bien, ça. Tu construis quoi? Je construis plein de choses. Hein. Je construis le pont qu'il y a derrière. Je construis... De petites défenses, de petites maisons avec les autres constructeurs. Ok. Oh, il reste plus que le dormeur. C'est qui le dormeur? Oh, dormeur? Pourquoi il fait un dodo? C'est l'heure de faire dodo? Pour rendre coup. Ok. Pour rendre coup que lui t'avoir donné. Hein. Ah ouais? Alors, Coco? Ouais? Comment t'as t'appelles toi déjà? C'est Floro? Fleury. Ah, Fleury, Coco. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une douche? Oh non, sans c'est quoi une douche? Sans eau, hein, oui. Oh, mais je sais pas. Ah, c'est une douche. Oh, bah putain, c'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Tu me diras, c'est la première que j'entends. Oh, elle est trop bien. Alors, non. Coco? Ouais. Tu es un manafiche, comme nous tous. D'accord. Ouais, tu es un manafiche. Attends, tu es un petit peu différent. Tu m'as l'air quand même plus petit que
nous autres, les monafiches, mais parce que peut-être que la créature dans laquelle tu as été créé, eh bien, était un petit peu différente. Alors, sache que tu es issu d'une graine qui a été créée par Sachem, un autre manafiche. En moi ? En qui ? Je suis une graine, rien. Voilà. Je suis un manafiche ou je suis une graine, je comprends plus rien. Chaque manafiche, toi aussi, Coco, hein, d'ailleurs, chaque manafiche possède une graine à l'intérieur de lui qui lui permet de transformer la créature qu'il va toucher avec sa graine en un nouveau manafiche. Oh, c'est trop bien, ça veut dire qu'il peut transformer tous les animaux qui traînent en manafiche. C'est pas aussi simple que ça. Il faut que l'hôte de la graine soit d'accord, il y a beaucoup de conditions. Ah, ok. Mais si je te dis ça, c'est surtout pour que tu connaisses tes origines. Sache que ta graine est issue de d'un manafiche qui malheureusement a disparu, qui je s'appelle Sachem. Ok, Sachem. Carouille. Par contre, voilà. Je sais pas vous, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une espèce d'intuition. Comme si j'étais appelé à devoir défendre un truc. Je sais pas si ça vous le fait, là, ça fait des pincements dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, Coco. Excusez-moi, mon affiche, hein, si je monopolise la parole et que vous voulez lui parler, n'hésitez pas, hein. On va continuer à lui présenter. Ouais, okay. T'es bien parti. Coco, effectivement, tu vois, regarde là-bas. Vois ça? Ouais, c'est quoi ça? Regarde, attends. Regarde. Tu vois ça là-bas? Ouais, c'est là-bas, c'est ouais. Là-bas, là. Tu ouais, vois c'est quoi, ça, c'est mon doigt. Mon putain! Oh, il est trop bien! Vas-y, tu vas apprendre toute mes langues! J'adore tes langues! Ouais, si tu veux, Coco. Ah bah tiens, regarde, il s'est réveillé. On peut finir les présentations. Oh, t'es qui, toi? Moi, salut, moi, c'est Bart, toi. Moi, je suis forgeron. Ok. Et je fais des expériences. Toi, c'est comment ton prénom, déjà? Oh, moi, c'est Cocoyon Rigoyon. Ouais. Bon, bienvenue, hein, Coco le rigolo. On va bien rigoler, alors, hein. Oh, je sais pas ce que tu as à me dire, mais ok. T'as alors, il faut dire que Snowball a quand même créé beaucoup de blagues. Hé hey. Ouais, c'est vrai. Hé, hey, Papousse, tu toi, c'est... Quoi, d'où je sens haut, t'es là? Bah, ouais, viens de me le dire. C'est une douche, ma mère. Elle est pas faite de feu, ça, dis donc. C'est un truc de ouf. Je crois qu'on va monter l'escalier. On va pas s'en sortir. Ouais. Tu as d'autres questions, Coco? Bah, j'ai plein de questions, mais pour le coup, je sais pas si c'est le meilleur moment. Je me dis qu'au final, y a peut-être plus grand danger, non? Ouais, je pense qu'on va... Oui, on va commencer à aller se mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer? On va se mettre en place et peut-être que tu pourras poser tes questions là-bas quand nous attendre que créature arrive. Oui, si tu as des questions, que nous n'hésite pas. Je m'en poussais beaucoup plante. Et je m'en fais plante. Ça dit comment? Oui, t'es là. Oh, ok. Ouais. Donc si j'ai bien compris, je viens d'un magnifique qui s'appelait... Sachem, c'est ça? Et celui qui nous a créé, il s'appelle Abinok, c'est ça? Abinok, oui, c'est Abinok. Ça. Oh, ok. Oui. Et alors, ton créateur, il parle comme ça. Oh, ok. Oh, c'est rigolo. C'est toi? Il te dira. C'est toi, Abinok? Coco. Oui. Oh, bah, salut, Abinok. C'est un gars ou quoi? Moi, c'est Coco, Nyorigoyon. Et Coco. Non, c'est pas moi, Binocle, mais il parlera comme ça. Donc si tu entends quelque chose dans ce genre-là, tu sais que c'est ton créateur qui s'adresse à toi. Bon, ça marche. Autre chose, Coco, d'excessivement important, tu ne dois pas manger les bêtes qui vivent dans l'eau, à part les petites dents, d'accord? Ah ouais? Bah pourquoi on ne peut pas y manger, hein? Tu ça a l'air vachement bon! Non, ton créateur te l'interdit. Ah ouais? Binocle a dit non? Il a dit non. Ah, pourquoi il a dit non? Ça a l'air trop bon! Non, Coco. Bon, bah, si tu prends si le. Comment toi, il a dit le créateur qui a dit non, bah, du coup, faut pas faire. Hein. Surtout exactement. Pas! Exactement. Ouais. Non, surtout pas. Oh, je vais pas me faire plaisir. Je t'invite à rejoindre les autres monafiches. Entendre mieux. À nous écouter, hein. Oh, je suis un fou de malade! Vous êtes prêts? Attention! Un, deux, 3. Naya, je suis chanté, je suis un magnifique.
chanter. Voilà. Ah ouais. J'ai gagné ma chanson. Ça va être très bien, ouais. Oui, ouais, très bien, ouais. Il a dit quoi? Ça va être pas mal, hein. Recule-toi un peu. Ouais. Vas-y, regarde le piote. Essaie de tendre fort ton bras droit. Vers l'arrière. Fort la corde. Voilà. Et tu lâches dès que t'es prêt. Ok, mais je lâche pas. Regarde loupiote, regarde loupiote, regarde loupiote. Vas-y, regarde loupiote. Attention. Paf. Oh. T'as vu? Plein de gueule. T'as vu ça, t'es bon. Alors, loupiote, t'as pris ses roches. Oh, t'as pris ses roches, hein. Oh, t'as pris ses roches. Prends ça. Prends ça. Ouais, avoir entendu tremblement, ça va être début, hein. Ça va être signal, hein. Oh, je te défonce ta gueule. Un coco. Encore un coup ici. Ouais. Docteur. Faut arrêter, hein. Ouais, du coup, vous devoir nous préparer, hein. Tiens, toi prends ça. Le petit coco à l'œil. Fais-je comment avoir ramassé. Ça va aller. T'as entendre tremblement. Ouais, j'espère. Un petit peu, moi. Ça va être un signal que créature bientôt arriver, hein. Nous devoir nous préparer. Bon. Oh, c'est des potions. Oh, c'est trop bien. Toi, en boire tu bois que si toi avoir mal, hein. On tient encore. 17. Mais faut pas tomber. Je dirais qu'on est 9. Mais si on tombe, on est mort en fait. Bon. Fais d'œil comme alors. Ça. Alors. Pourquoi il a fait ça? Le danger devrait venir de cette direction. Par là. Donc, il nous faut un manafiche au balisto. Ici. Pour la première partie de la bataille. Merci de faire de la lumière. Qui va se mettre sur les balistos? Si cette muraille tombe. Il y a ensuite les murs. Parce que c'est stylé de ouf en vrai. Muraille derrière. Ok. Donc n'oubliez. Fish fall back. Et on passera sur la muraille de derrière. Ok. Si jamais c'est pas clair, vous me dites. Mais c'est un rouille. Oui, follow back. Vous voyez que derrière nous, il y a encore deux autres balistos. Ok. Bien. Ouais. Donc, le préposé au balisto derrière, ce sera toujours l'Omedae. Et il faut un autre manafiche dessus. Qui veut se porter volontaire? À droite. Oh ah ouais, sur ce manafiche. Enfants d'Avino, nous sommes des hommes poissons. On vit dans la mer et nos coquilles sont pas très bons. On a compris ce temps pour te faire honneur. En rien donc nous voir notre dieu créateur. Nous oh, sommes non, non. Des mains. On est de plus en plus là, hein, à mon avis. Oui, ça va pas tarder. Eux être de plus en plus nombreux là. Et en avoir derrière aussi. Eux de tous les côtés. Ah ouais. Ah oui. Oula. Et que s'il y avoir grosse créature. Oh mais vas-y, la rambarde elle est trop haute, je vois même pas les méchants. Peut-être nous devoir garder grosses flèches quand créature de fire arrivait, parce que... Mmh. Et le signal. Restez pas à côté. Préparez-vous. Oh ça tremble. Prends ton fleurir. Oh c'est les coquilles qui tremblent. Qu'est-ce qu'il y a, Coco? Oh j'ai peur. Ça va aller, mon petit, t'inquiète pas. Oh j'ai encramé. C'est quoi, c'est ça les énerver? Oh la vache. Accrochez-vous, Manafiche. Manafiche. Ne tremblez pas, Manafiche. Mamie, ça va? Manafiche. Manafiche. Ce n'est pas ce soir que nos coquilles tomberont, Manafiche. Ouais. Ouais, Manafiche. Ouais, bravo, c'est ton métier. Envoyons ces créatures de là où elles viennent. Il y en a un paquet. Ouah. En finir ici, hein. Je prends mon arme de destruction mapise. Putain. Alors viens ici. À la tank. C'est tout cher, aïe. Pas le fire, moi, hein, c'est pas vous, moi je me sens pas bien ici. Hein. Oh, j'ai les coquilles hein, qui tremblent. Moi, c'est rien, Coco, oh. T'inquiète, ça va te forger. Oncle Bart, hein, j'ai peur. Ça va aller, Coco, arrête un peu.
Oh, 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 il y a personne là-bas. Oh, oh, j'en sais rien. Je crois pas, il a pas crié. Tire sur les bestioles, Coco. Oh, il y a des fonds. On va plus rien voir avec Fear. J'en ai un, et tonton. C'est bien, mon petit Coco, il en reste encore des centaines. Levez à nouveau, Manafiche. Ouh, je vais leur envoyer Gougou, ils vont voir. Faites gaffe. Gougou, tu veux bouffer la créature de Fear. Reculez. Oh, ça va. Attends, je vais te faire pépé dessus. Bouge pas. Oh. Allez, Stanos, debout. C'est qu'une vieille égratignure. Ça te laissera des marques. C'est parti, on se relève. C'est bon, c'est passé. J'ai trop peur. Là, il y en a ici. Ah, si. Je pense que leur chef arrive, mon affiche. Il y en a ici. Je m'en fais téléportation en bas de me. Oui, mamie. C'est pour tout le monde. Oh putain. Oh. Courbouillon. Non. Oh. Pique. Reposez des piques. Chopez-le. Man affiche. Chopez-le. Tu vas crever. Ah, le freeze. Tu vas crever. Oh, Shalmak. Mais je touche pas. Vous le défoncez à loin. Allez-y, mon enfant. Il est sur moi, tirez. Lui pas, il est sur l'arbre. Défoncez-le. Crève. Ah, immobilisez-le. Gouigoui, bouffe-le. C'est bien. Bien joué! Oui! Oui! Ouais! Malafouche! Deux comme celui qu'on vient de défendre. Ouais. Et un plus gros dans notre village. Ok, et d'après bleu, les créatures, à mon avis, on était trop costauds pour elles. Et ils ont décidé de se barrer et d'aller péter le deuxième petit arbre. Sauf que là-bas, il n'y avait pas de Malafouche. Et ça, c'est bordel. Bah, on a pas d'autres moines d'affiches qui sont là-bas. Oh, c'est quand même bizarre. Non, il y avait quelques animaux qui défendaient là-bas. Mais normalement, l'attaque aurait dû être concentrée ici. Mais on a dû opposer trop de résistance et... ils sont partis sur l'autre. Attention, créature. Oh, oh. Mon défoncé, toi. Ouais, c'est ça. Pourquoi Gouigoui avoir flèche dans bouche? Oh là là. Oh non. Ça va jusqu'à de chez nous. Non, dépêchez. Aïe. Mais si la corruption est déjà à mon affiche, malheureusement, c'est déjà trop tard. Non. Pas perdre arbre de vie. Mamie, ça sert non, à rien de tirer. Ferrari. Non. Ferrari. Non. Ferrari. C'est ça que je connais pas. Qui Ferrari? Non. Attention, mon affiche, les créatures sont là-bas. Créature à droite. Non. Non, mais Ferrari. Un attaque. Ah, l'attaque. Vous mourir. Tiens, heureusement que je joue pas Ungol, hein. Oh, je verrais Ferrari mort, mais laisse tomber, Ferrari. Je pèterai un câble. Non, tiens, Ferrari. Qui Ferrari. Pourquoi pas. Un jour sombre. Peut-être arrivé trop tard. Oui, il aura fallu quelques minutes. Ferrari est trop morte. Oui, j'ai vu cette pauvre créature
essayer de venir en aide aux quelques nimates qui protégeaient, mais... Ne touche à rien. C'est déjà trop tard. Moi-même, je suis arrivé trop tard. Vous arrivez à peine 10 Ferrari. Minutes. Ferrari Ça fait à peine 10 minutes qu'ils sont partis. 10 minutes déjà, quand même. Salut, Bleu. Ils ont attaqué deux endroits. En face, là. Sur le côté. Un jour très sombre, Manafiche. Mais je pense que vous avez grande affaire. Allez voir vos amis Machawash. Je pense qu'ils seraient rassurés de savoir que vous êtes encore en grande partie tous là. Et avoir perdu un arbre ou pas? Oui, ils ont eux aussi perdu un arbre. Donc allez les voir. Ou c'est peut-être eux qui vont venir à votre rencontre. Oh, c'était qui là? L'espèce de grosse dent là qui était mort là devant là. Ça va être Ferrari. Être cadeau que Wulujah avoir fait à Manafish. Et oh ouais. Oh bah lui être mort. J'ai même pas pu le revoir. Oui, cool. Nous, je pose les morceaux de Ferrari. Vite. Mais à voir, c'est Donas Nanos directement. Non, mais dans le coffre. J'ai mis dans le coffre où Sachem a déposé ses affaires. Enfin, où il y a les affaires de. Les restes de. Bah, vous avez compris quoi. Oui, t'inquiète pas. Tout le monde est là, c'est bon. Non, t'as pas conduire, arrête. Oh, moi je suis tout plein. Avoir... Tout à l'heure, Coco, tout à l'heure. Oh, y'a un grand. Je dois avoir de la chance. Qu'on m'affiche, plus avoir urgence. Bah, où nous allez, maintenant. Nous avoir de la chance. Nous avoir de la chance que Toba n'est pas parti tout seul, hein, même pas replié voile. On va chez Ami Machawash et Toc. Bon, c'est qui ça encore? Connu pas ça? Signé Manafish? Moi, voir une petite sur le trajet, Manafish. Ok. Manafish? Il y avait quoi? Il y a les Machamash? C'est ça? Machawash. Machawash. Okay. Machabidulouash. T'es là, oui. Ok. Machabidulouash. Ah, il est toc. C'est quoi? C'est une espèce de Manafish? Non, ouais. C'est plutôt toc, des espèces de mini-arbres. C'est un arbre qui parle, oui. Ouais. Ah bah comme l'arbre de vie de chez nous. Ouais, sauf que lui il répond pas. Ouais mais en plus petit. Ah ok. Et aussi un copain à nous. Et plus petit il parle. T'es là oui. Et il part à seul. Oui il part à seul copain de moi. T'es là. Bah si j'écoute T'es là apparemment il y a tout le monde qui est copain avec T'es là. Mais ça m'avance pas plus que ça personnellement. Mais en tout cas, ça me fait une belle jambe. Ouais, une belle jambe de bonne affiche. Ah, c'est Nalia. Salut Nalia. Ah, Nalia. C'est ça, Machawash? Ouais. Bah, dis donc, c'est bizarre quand même. Où être Nalia? Il n'a même pas de gigogne. Où être? Toi, être toute seule, Nalia? 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 Oui! Nalia? Pourquoi toi, quoi, partout là? Pourquoi toi, pleurer? Qu'est-ce qui t'arrive? Se passer? Pourquoi toi avoir tâche? Il est où Bart, s'il vous plaît? Il se repose dans Bart la méduse. Bart se reposait dans Néduse. Oui, lui s'est reposé, lui allait bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux vous êtes tous là, bien. Vous allez tous bien? Oui. On va arriver. Oui, oui. Avoir quelques brûlures, mais allez. Certains partent en un seul morceau. Hein. Ouais, allez bien. La chance d'être. Non, ils vont bien, mais. On a perdu un arbre. Nous aussi. Bleu nous a nous dit. Nous aussi, oui. T'es là. Perdu un arbre. Et Ferrari. Cousu du fil blanc, oui, t'es là. Et avoir perdu Ferrari aussi, qui a sa sac. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je suis désolé. Bah c'est pas grave, tu y es pour rien, tu sais. Mais je suis tellement en colère aussi. Même pourquoi? Mais parce qu'il se passe rien, et qu'il n'y a plus les oïdes, et qu'il n'y a plus... L'île des tocs, et qu'on attend à chaque fois, et c'est de pire en pire. Et on fait rien, et on va tous mourir, et on va tous, je vais vous perdre, et je vais perdre les autres. Mais non, t'inquiète pas, et puis on fait pas rien, regarde, on vient de se battre. On aurait pu perdre les deux heures de vie, Nalia. On fait ce qu'on peut, Nalia. C'est surtout ça, mais on ne fait pas rien. On cherche une solution. Vous pensez qu'elle a pris la graine, les gars? Mais la solution, c'est de les pousser dehors. Mais qui? Mais
Et tu les épris tripliquer prochaine fois, hein. Oui. Attention. Ils sont où de pas. Dieu pour nous aider. Dog, il est lui là, hein, t'es là. Je suis sûr qu'ils essaient de faire leur maximum. Vilda, mais il faut rester soudé. Elle l'a pas fait. Mais ça a pas suffi. Moi, je suis à qui, sur Vilda. Au lieu de mettre des peintures de guerre, j'ai mis des peintures d'unité. Ça marche pas. Il faut pas. Tu sais, il faut pas céder à la colère et à la tristesse. Alors, il faut que tu sèches tes larmes. Et on va discuter de ça tranquillement. Et on va trouver des solutions. Pour être sûr. De quoi, Bart? S'il te plaît. Oui, il doit être par là. Oncle Bart, toi, être là. Il y en a un machin qui veut te trouver. Hein. Il est ici, là, dans le... Bonjour, petit toi. Oh, salut! Moi, c'est Coco le rigolo! Ah, j'ai 3h25! Ah, toi, tu t'appelles comment? Tu m'appelles Nalia, bienvenue à toi. Tu vas voir, t'as une super famille qui t'attend. Oh, bah ouais! Ils sont chouettes. Mais pourquoi est-ce que t'as de la gloire qui sort des yeux? C'est comme ça, les machamaches? Non, c'est juste moi, je suis désolée. Mais sois contente, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas, vu que je viens d'arriver, t'inquiète pas, je suis le plus grand guerrier des Mariafish. Il va rien t'arriver avec c'est vrai, nous. Tu... Ouais, je suis un grand guerrier de Mariafish. Ouais, tu vas voir. Ouais, tonton Bart, il m'a appris plein de trucs. Il est trop fort, tonton Bart. Je te laisse te voir. Ouais. Tu le protèges, hein. Ah, je protège tous les Mariafish. Parce que je suis un Mariafish, alors j'ai pas peur, alors... j'ai pas mal. Toi, faire ça à Nanyo. Oh. Le faire quoi? Lui mettre une fessée? Je suis inquiété pour toi. Mais non. Mais non, blague. Toi. Ah ouais? Oh, gna gna. Je suis le plus grand des blagueurs des Mariafish. Je sais comment te remonter le moral. J'ai une super blague. Ils m'ont raconté. Hein. C'est une blague que j'ai inventée. Hein. Ouais. Vas-y. Oh, t'es prêt? Hein. Oui, vas-y, dis-moi. Oh. C'est quoi? Oh, la coquille la plus résistante du monde. Je sais pas, Coco. Bah, c'est la noix de coco. Oh, oh. C'est la noix de coco, t'as compris? Oui, j'ai compris. Bah, ouais, c'est la noix de coco. Allez, 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 maintenant. Maintenant, oui, rigolez maintenant. J'ai taillé à pirate. Sauf que, bah, pour me transformer en Mariafish, j'étais obligé d'être plus malin qu'à Binoc. La seule façon que j'ai trouvé, c'était la potion, mais pour que je puisse prendre la potion, il fallait que je sois mortel. Et la seule façon que j'ai trouvé pour être mortel, c'était de séparer mon âme de mon esprit de mon corps. Je comprends. Du coup, j'ai créé Yop Yop, avec... j'ai mis mon âme à l'intérieur de lui. J'ai créé King Kong, je lui ai mis mon esprit, et moi, je me suis gardé le corps. Sauf qu'aujourd'hui, Yop Yop, il est plus là. On peut pas aller le chercher. Non, je crois pas. J'ai pas de solution. Ah. J'avais une solution quand j'avais encore Yop Yop. Je savais que c'était encore possible que je retrouve mes pouvoirs. Mais là, je crois que c'est que permis. Ton souhait de vengeance soit si terrible que finalement, tu ne contrôles plus rien, tu comprends? Oui, je comprends. Et il y a autre chose qui m'inquiète, c'est que visiblement tu as été attaqué par ces créatures et que la corruption est en train de complètement s'installer en toi. Ouais. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Bon, comment ça fait que je suis si petit, moi? Tout le monde, il est trop grand. Je sais pas, écoute. Je Est-ce sais que pas, c'est Coco. Parce que j'ai que 3h44. C'est possible. Ça, tu vois, c'est le temple d'Abinoc. Oh. Ok. Ici, c'est une maison. Oh, ok. Regarde. Et ça, là, oui. C'est quoi, ça, là? Ça, c'est ton doigt. Oh, fuck. Moi, comment tu savais, hein? Parce que Coco, hein. C'est pas au vieux Mariafish qu'on apprend à faire la blagounette. Hein. Oh, je suis déçu. Ça ici,
c'est représentation de combat des créatures de faille. Oh, waouh. Tu vois? Toi, Coco, tu as quel âge? Tu as 3h45 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, nous, on a à peu près 105, entre 105 et 110 ans. Oh, c'est quoi, des gens? Alors. Donc, toi, tu as 3h45 minutes, d'accord? Ouais. Eh bien, moi, en heure, j'ai... Il n'y a personne qui peut me donner la réponse. J'ai... Laisse-moi réfléchir. Que Arabinoc nous avoir dit, toi, pas pouvoir pêcher poisson comme ça, c'est vrai que nous avoir oublié de t'expliquer. Moi, si tonton Fleury m'avoir dit, pas attaquer les animaux de la mer, que les... Que les petites dents et les... comment s'appelait, hein? Les grands spinks. Oh, du coup, je l'ai trouvé et c'est un petit dent qui est tué. Hein. C'est pas un poisson, c'est une petite dent. Pure? Bah, j'ai vérifié, il avait des petites dents. Hein. C'est sûr et certain. Hein. J'ai regardé. Hein. Avec quelle forme? Bah, il ressemble à une petite dent, quoi. Oh, c'est lui, Stanos. Stanos, tu sais cuisiner le poiscaille? Ouais. Quoi? Répète. Tu sais cuisiner le poiscaille? Non. Mais Gobo. Et toi là, c'est... qu'est-ce que t'as fait là? Un Gobo, hein. Et dis-moi, tu sais cuisiner le poiscaille? Tu l'as trouvé où le poiscaille? Bah, il était par là-bas. Ou peut-être plus par là-bas. Ouais. Autour du temple? Non, mais c'est quoi le temple? Ouais, c'est quoi le temple? T'as pas le droit de toucher aux poissons qui sont à l'intérieur du vieux de la ville? Oh, mais c'était une petite dent! Il n'y avait aucun poisson? Bah, tonton, il m'a dit que je pouvais tuer les petites dents! Il n'y a pas de petites dents dans la ville! Moi, si, il y a des petites dents! Et j'ai vérifié! Tu crois que je suis un menteur? Je suis pas un menteur! Si. Non, non, ça, non, Coco, c'est vrai, il y a des petites dents, mais c'est des petites dents protégées! Ah ouais? Bah, en même temps, mais je dis pas, moi! Oui. Oh, du coup, j'ai envie de manger! Oui, je sais. Oui, toi, pas au courant, oui. Oh, bah, du coup. Tout poisson est en ville, pas touché. Ah, bon, d'accord, moi je me tue pas aussi. Dernier avertissement. Wow, j'ai pas envie de prendre une fessée encore, j'en ai marre, ça fait trop mal. Moi aussi, j'espère que ça va. Bah, tiens, bah, dis. Eh, j'ai trouvé du petit poisson, il y en a qui en volent un petit peu. Il est trop bon ce poisson, c'est de la bombe. Vous voulez goûter? Venez voir. Bon, salut toi. Oh, t'es un machamache. Tu dois avoir pris ça, Coco. Oh bah c'est... Mais c'est quoi ça? C'est de la petite dent. Ouais, salut, moi je m'appelle Coco Yorigono. Ouais, et j'ai 3h58. Et toi, tu t'appelles comment? C'est une mauvaise blague. Non, lui est né de graines de sachem et ungadada. Ah non, tu vas vouloir une blague? Moi, va des super blagues. Ouais, tu veux une blague? Tu m'as même pas dit comment tu t'appelais, toi. Tu t'appelles comment, toi? Zalisha. Ah, c'est elle, la machawa, ce qu'il faut faire rigoler. Oh, Nissan, moi, j'ai une super blague. Waouh, c'est quoi la coquille la plus résistante du monde? J'en sais rien. Moi, c'est la noix de coco, parce que je m'appelle Coco le rigognon. Aïe, aïe, aïe. Bah, pourquoi t'as pas rigogné? Oh, bah, dis donc, c'est la grosse ambiance ici, hein. Oh là là, on était mieux à quoi affronter les créatures de faille, hein. C'était nul. Ça n'a jamais été beaucoup plus drôle que ça. Oui. Faut lui arriver à rien. Oui, Gobo. Venir. C'est triste. Ah mais, avoir du monde ici, en fait. Hein. Oh, excusez-moi, je suis peut-être dérangé. Hein. Moi, elle est triste. Ah, pardon. C'est la même chose. Il se dit que... Je suppose toujours, hein. Mais qu'il en a déjà fait bien assez. Et que c'est un petit peu à cause de tout ce que moi, Ouloja, Abinok, même création, c'est un petit peu ce que nous tous on a pu faire qu'a amené qu'est-ce t'as que fait le monde soit comme ça. Tu te fous de moi? C'est bon pour ça que Velda elle est pas là non plus. Coco, revenir ici tout de suite. Peut-être. Tu sais, Velda, ça fait longtemps que je l'ai vu. Encore aujourd'hui, je pense qu'elle doit croire que je suis disparu. Mais vous pas m'engueuler, moi m'écarter de eux pour pas parler à côté dehors. Bon oh là là, mon affiche un peu bête. Sauf que toi avoir choisi poisson que nous pas avoir le droit.
Bah non, Gobou m'avoir dit, pas les poissons qui est dans, pas les petites dents qui est dans la ville. Alors moi, pas avoir tué les poissons de la ville, moi avoir tué que petites dents qui est dehors, ouais. Sauf que Manafish ne peut pas avoir le droit de tuer aucun poisson. Moi aussi, hein, grand... devoir protéger. Mais, tonton Fleury m'a dit que je pouvais tuer les petites dents. C'est là que je pouvais, hein. C'est pas des petites dents, ça. Moi aussi, il a des petites dents, regarde. Touche un petit peu. Ah, non, ça n'est pas des petites dents. Bah comment tu veux que je devine que c'est pas une petite dent, il y a une petite dent? Je peux pas deviner, moi. Parce que toi, devoir demander. Moi, d'avoir dit, Manafish, je peux avoir rien dire. Moi, d'avoir demandé, hein. Tonton m'avait dit que je pouvais attaquer peut-être tant. Il avait dit que je pouvais goûter. Tu veux dire bêtise. Parce que moi, penser ouais, que, pas... après événement qu'il y a avoir eu, Manafish, plus du tout devoir chasser poisson. Sauf que personne n'écoutait. Plus du tout, mais comment, mais moi j'ai 4 heures et 4 minutes, puis en, tonton il m'a dit que je pouvais chasser les petites dents, je comprends pas. Oh ouais. Pas avoir besoin de chasser, de toute façon, frigo est plein. Oh mais c'est pas de la bonne nourriture. J'espère que la binette va en tenir rigueur à toi, hein. Oh ouais. Tu rigoles? Oh c'est pas de meilleur, c'est pas bon. Ça va être bon ça, ça c'est dégoûté, c'est pas mal, hein. Bon, là, faut faire quelque chose. J'ai demandé en plus si je pouvais chasser des poissons, il m'a dit tu peux attaquer les petites dents, alors du coup j'attaque les petites dents, après on m'engueule parce que c'est petites dents qui sont dans la dents. Moi te dire une chose Coco, premier ordre de la Brinoc à avoir donné à Manafish, nous devoir protéger tout être qui veut venir de l'océan. Après avoir dit que Manafish pouvoir chasser petites dents, grandes dents, branches pec, parce qu'à l'époque Manafish pas pouvoir manger autre chose, mais aujourd'hui Manafish s'est adapté et être capable de manger autre chose. Nous manger moutmout, manger zigougoui, manger poulette, manger appelez déjà truc que Gobou voir tout le temps l'autre. Alors du coup, moi penser que pour montrer à Binoc que nous être dignes de lui, nous plus du tout manger poisson et plus le chasser. Comme ça respecter premier ordre que lui avoir dit à nous. Oh bah ouais, moi là j'ai même l'avoir vu à Binoc. Moi, ça... pourquoi est-ce que les petites dents ils sortent tous de l'eau? C'est pas moi, je vous jure. Il y en a encore un côté, c'est pas moi. Non, ça, vous étiez avec moi, non, je suis pas ça, responsable. Ça, par contre, ok, c'est pas toi. Poisson va être bizarre. C'est bizarre. Mais je comprends pas. Coco, si toi... Tu toi visite. Waouh. Ça loupiote, sa piscine de Manitella. Oh ouais. Ça... Oui. Et sa cuisine de nanos, oui, il lui fait pour moi, oui. Il lui gentille nanos. Mamie, elle se rien, vache. Oui, et celle de bas, oui. Ah mais écoute, ta maison t'a grandi, mais non, ta maison est pareille. Non, okay. Chez moi, maison normale. Juste ah ouais, non, mais franchement, on croirait qu'elle est grande. Oh, c'est non, pas mal. Maison normale, t'es là. Ah, bah, c'est ouais. Un pokamp. Ah, ok. Oui, ça, ta clope, oui, il lui ta clope. Il faut que ça soit, il te choisit. Demain, on ira voir pour entendre. Oui. Voir ah, s'il y en a un qui veut venir vers mais toi. Mais il lui ta clope, oui, t'es là. Oh, je t'arrouille, mamie. Bon, très bien. Bah, moi, je pense que je vais aller me coucher, alors. Hein. Oui, ouais. Chez moi aussi, t'es là. Ah, bonne nuit, mamie, à demain. Merci, oui, demain, t'es là. Pas vraiment ma maman, en fait, Jumper. Ouais, je parle vraiment la maison de maman, il va pas en vrai. Oui. Chef, t'es là. Ouais. J'ai pas commencé à faire, mais tu comprends rien à ce qu'elle bique cette biquette. Hein. Je comprends que gagne. Bon, 1h du matin, mesdames et messieurs. Commence à se faire tard. Et j'ai un débrief à vous faire. Bing. Après tout ce temps, je suis tellement petit, c'est n'importe les quoi. Les créatures tentant de nouveau s'échappent. Les tribus doivent s'unir pour défaire le malin, retrouver le sourire, au moins jusqu'à demain. Nous combattons pour Genesia, il faut la protéger, il faut la protéger. Oh. Nous combattons pour Genesia, il faut la protéger.